On fera découper des feuilles en papier dans toutes les écoles pour les recoller sur des troncs PVC avec béton armé au sol. Les forêts reculent avec un R majuscule, minuscule couche d'ozone. Bientôt les rives de la Seine seront plus vertes et plus saines que les berges de l'Amazon. Regardez dans vos boîtes aux lettres ces milliers d'arbres mis en miettes pour de la publicité. Il faut l'admettre, dans vos boîtes aux lettres, il y a l'équivalent d'une centaine d'ancêtres qui auraient pu voir naître des familles d'innocents qui se retrouvent nez à nez avec une rivière goudronnée et de longues barrières en toque. Mais l'instinct les a guidés sans prévoir l'homme et ses saletés et l'impact de ses pare-chocs. Sur les mégots, les briquettes et les crocs, éjectés comme des missiles d'une voiture de blaireaux qui se prennent pour des héros à chaque lancer de projectiles. En relevant les traces de déchets dégueulasses, on peut retrouver un McDonald's. La cage dans la ronde, les emballages fécondes, on a des tabous crados. Quelle preuve d'incivilité! Car si vous avez mal mangé, ce n'est pas de notre faute. Le marketing s'appuie sur le packaging, le suremballage c'est beau, mais on s'attendait à plus en déballant ces poupées russes. Il y a que trois gâteaux. Mais toutes ces techniques au service du plastique sont issues du pétrole, crois-moi. Bon bah les devient magique, mais le chaos écologique on ne le déballe pas. Sont des sujets qu'on nous sert en plus fabrique de dessert et la restauration d'un clocher. Aux informations, c'est comme pisser dans un violon, car ce sont que les premiers. Pour la manipulation, les non-dits et les corrections machiavéliques de la vérité. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Recycler à parfois un prix. Trop élevé pour la grande distrie. Ce n'est pas qu'un parti, c'est un cas de conscience aussi. Entre le gaspillage et le recyclage, moi je fais le tri. C'est ce sujet où j'ai l'utopie emportée sur la raison. Car si moi j'y vais et que toi tu me suis, on aura déjà l'air Macron.